Allora, bon, le prime il faut faire attention qu'il soit pas trop fort parce que sinon on va. J'ai nettoyé les moules naturellement, j'ai gratté bien bien. Et ben, on attend qu'il s'ouvre. Mais il faut les enlever au fur et à mesure qu'ils s'ouvrent, parce que sinon c'est il devient trop cuit. Parce qu'il y en a quelques-unes qui s'ouvrent un peu plus tôt, d'autres qui s'ouvrent un peu plus tard. Donc un peu de vin blanc. Et voilà. Voilà, donc l'aide Faites à fort. Billardi Paravia est en train de faire la cuisine. En effet, elle est la reine de la cuisine italienne à Paris depuis une bonne trentaine 30, d'années. 30, oui, 32, une chose 32 pareille. ans, Oui, voilà. beaucoup. Et dans cette période, elle a écrit plusieurs livres, traduits dans plusieurs langues. Elle a collaboré à différents journaux Surtout le spécialisés. plus beau, celle que j'aime le plus, c'est la Gola. La Gola, voilà. La La Gola qui Gola, était. grande revue italienne de gastronomie. No, pas vraiment de gastronomie, del matériel. Il y avait beaucoup de grands intellectuels qui écrivaient des choses sur le matériel. Quelque chose qui tourne autour de la bouffe, mais plutôt de l'anthropologie, dell'histoire de la gastronomie. Et c'était fondé par Alberto Capatti, par Antonio Porta, qui était un grand poète, Alberto Capatti professeur, qui a été toute la vie professeur d'histoire de l'alimentation, d'histoire aussi d'histoire et littérature française à l'université. Il a été, comment si chiama? Non mi viene in italiano, in francese, le recteur dell'Université de Pollenzo, tu sais la grande, Oh, Piemont. au Piemont, la grande université dell'histoire dell'alimentation e di tutto ce qui tourne autour dell'alimentation. Allora, vous voyez là, il y en a un qui è ouvert déjà. On attend Mais ancora ça, ce un sont moment des et moules, après, comme vous le ça voyez. c'est les moules. Les moules. Parce que l'aide à Villard di Paravia est en train de préparer en ce moment Aïe. un risotto aux fruits de mer. Aux fruits de mer, oui. Alors maintenant, j'enlève le couvercle et je commence à sortir le moule. Parce que je crois que tout à l'heure, elle va enlever les coquillages. Elle va séparer Oui, la j'enlève. moule proprement dite de son coquillage. Ça, c'est très important. Les enlever au fur et à mesure qu'ils s'ouvrent, parce que sinon, s'ils sont trop cuits, vraiment, ils deviennent durs, comme souvent on les mange dans des restaurants qui ne sont pas formidables. Ils vous donnent ces bêtes qui sont un peu trop cuites et donc ça devient dur et pas intéressant. Et l'eau qui sort des moules, plus l'huile et le vin blanc que j'ai mis, ça sera après un peu le bouillon pour le risotto. Oui, cette recette, comme beaucoup d'autres, se trouve
dans le dernier livre de Leda Villard di Paravia, qui vient de paraître, un livre qui s'intitule La cuisine italienne de mère en fille. L'éditeur, c'est Albin Michel, qui a sorti une collection où l'on retrouve la cuisine juive tunisienne de mère en fille, la cuisine marocaine, la cuisine provençale, indienne, corse, espagnole, toujours de mère en fille. Et dans notre cas spécifique, Leda a justement une fille. Et alors là, la question qui s'impose, c'est de savoir si elle est arrivée à transmettre ses qualités gastronomiques à sa propre fille. Ça oui. Et donc ma fille qui a fait 4 universités, et après il a tout laissé, elle est partie pour le Mexique où elle a fait un peu de catering au début et après la... Oh, excuse-moi, hein. Voilà. Et après, elle a fait 3 restaurants au Mexique. Mais je peux vous donner ça. Elle a fait 3 restaurants et... Et maintenant, elle vit là-bas, elle n'a aucune envie de rentrer en Europe. Elle vit là-bas depuis 18 ans. C'est-à-dire que tout en étant obtenu des diplômes prestigieux, elle a préféré se consacrer à la cuisine. À la cuisine. Son amour a été toujours la cuisine, un peu comme pour moi. La cuisine, c'est... Parce que... Alors, moi, je ne peux pas coudre un bouton. Si je me mets à coudre un bouton, je peux jeter la chemisier, je sais pas. Mais faire la cuisine, oui. J'adore faire la cuisine. Alors, je préfère préparer un dîner pour 20 personnes plutôt que coudre un bouton ou refaire un lit. Et voilà. Donc, ma passion, c'est la cuisine. Là, tu as fait allusion au Mexique. C'est vrai que la cuisine italienne dispose d'un rayonnement mondial et les restaurants italiens se trouvent partout. Allant des souvent, plus simples jusqu'aux souvent plus... mauvais, hein, souvent mauvais, mais il y a de toute manière un rayonnement qui est c'est la cuisine italienne maintenant est la plus importante dans le monde entier, parce que tu vas au Japon, en Chine, partout, et les restaurants italiens, qui maintenant ils deviennent toujours plus bons. Avant c'était vraiment la catastrophe. Ouais. Il y a aussi des restaurants italiens très raffinés à l'étranger. Tout à fait. Il y en a bien sûr de mauvais, mais... Beaucoup de mauvais, ouais. Mais il y en a aujourd'hui, entre autres, ouais. De très bons. Moi, j'ai fait pour l'ICE, il y a 20 ans. L'Institut italien pour le commerce extérieur. Et j'ai fait un guide des restaurants italiens à Paris. Ouais. J'étais désespérée parce que je devais goûter, je devais regarder, je devais parler de ça. Et c'était l'horreur. Pourquoi? Parce que les Italiens qui arrivaient en France il y a 20, 30, 30 ans, ils arrivaient avec une famille et la famille était, ils se mettaient à la cuisine, ils faisaient des choses et ils préparaient des choses, celles que, pardon, je ne peux pas oublier l'huile ici. Oui, je ne voudrais pas te distraire. Non, et donc ils faisaient de la très bonne cuisine. Là, ce sont les palourdes. Ça, c'est les palourdes, oui. Et ils faisaient de la très bonne cuisine de chez eux. Après, dès qu'ils commençaient à avoir un succès, ils pensaient que leur cuisine, c'était le bas de gamme, c'était triste, hein, et la France était le top. Donc, ils commençaient à faire de la cuisine à la française. Je ne te dis pas les résultats, c'était horrible. En plus, ils ne savaient pas, donc c'était... Et alors, il faisait une cuisine bâtarde, disons. Tout à fait. Et après, il lui disait, mais les spaghettis, ils doivent être cuits, pas comme ça. Alors, il faisait les spaghettis les plus cuits, qui sont très indigestes. C'est de la colle, c'est de l'horreur. Et après, il disait, ah, mais moi, je veux les spaghettis avec la viande. Et lui donnait les plats avec un beefsteak. Et les spaghettis en garniture. Donc, le bâtard, une chose bâtarde, vraiment.
Je préparais un hachis de ail, persil et céleri. Donc cela a été préparé au préalable. Oui. C'est de l'ail et du persil. Ail, persil et céleri. On va augmenter un peu l'huile. Alors, la cuisine italienne des poissons est toujours ail, persil, vin blanc, jamais du beurre. Ça c'est, et jamais de fenouil, des choses, parce que les poissons sont assez sucrés, si tu veux. Donc l'important c'est mettre quelque chose qui est piquant, qui est fort, qui lui enlève un peu cette... Par exemple les coquilles Saint-Jacques. Nous en Italie on le fait toujours avec ail, persil, vin oui. blanc, huile, toujours à la poêle comme ça. Et, tandis qu'en France, il le met au beurre, au fromage, au four. Et pour nous c'est impossible de manger une chose pareille parce que... C'est justement, il faut enlever le sucré qui a la coquille Saint-Jacques. Mais il y a une partie de la cuisine italienne qui utilise le beurre. Le nord. Mais le nord, ce n'est pas une cuisine de poisson. Hein. Les Piémont, par exemple. Bon, maintenant, ils sont arrivés au... Oui, mais là, on parle, oui. Le Piémont n'a pas d'accès à la mer, donc oui, voilà. il n'y a pas une cuisine de poisson, disons, d'origine au Piémont. Oui, mais quand, moi je suis né à Florence, et donc à Florence c'est l'huile d'olive, la Toscane, l'Ombrie, c'est vraiment l'huile d'olive, comme la Liguria aussi. Et donc en Toscane on n'utilise que l'huile d'olive, le beurre est vraiment... Moi de temps en temps j'achète du beurre et après un mois je le jette parce que c'est devenu trop vieux. Bon aujourd'hui vous verrez que je mets du beurre dans les risottos quand même. Hein, parce que les risottos c'est un plat della pianura padana. E la pianura padana c'est une lagune un peu, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau, donc le riz sort très bien et c'est le bon riz. Quand je suis venu à Paris, il n'y avait pas de riz italien et il n'y avait pas les risottos, je ne connaissais pas les risottos. Maintenant même les restaurants 3 étoiles français, ils font les risottos. Il met un peu de crème, hein, parce que c'est pour eux, c'est un peu de crème fraîche, parce que pour eux, c'est impossible de faire quelque chose de crémeux sans mettre la crème. Tandis que le crémeux, pour nous, c'est le beurre, l'huile, le parmesan et le riz qui a est très... il fait comme de la colle avec tout ça. Et on le tourne et il fait la crème. Et ça devient la crème, voilà. Là, les langoustines doivent être cuites pendant combien de temps? Ah, pas beaucoup. Les poissons doivent toujours cuire très peu. Là, tu vois, je baisse un peu le feu.
Eh ben voilà, sont déjà prêts, tu vois, c'est vite fait, hein. Même après avoir critiqué le verre, tu es critique, mais oui, pas sectaire. Non, non, mais alors, moi je viens d'une famille torinese, de Turin, parce que Villard di Paravia, Paravia c'est le plus ancien éditeur d'Italie. Bien sûr, maison d'édition que tous les Italiens connaissent, car les livres sur lesquels on étudie sont souvent édités par cette maison d'édition, fondée il y a plus de deux siècles. Si, fin 18e. Fin 18e. E a Parigi il y a via Villard di Paravia, piazza Villard di Paravia, école Villard di Paravia. Donc c'est un. Donc Turin. Turin, c'est dans mon sang. Et donc gelé. À Turin, le beurre. Le beurre, c'est. En plus, Turin, c'était les Piémontais, ils regardent la France plus qu'à l'Italie. Ils adorent la France, c'est tout ce qui est français, et même la langue. L'argot, le dialecte torinese, ça ressemble plus à la France. On prend l'ascenseur, prendiamo l'ascenseur. Beaucoup de mots sont français. Et après, Marc, vous me donnez l'eau de cuisson des moules et des palourdes. Voilà, je vous disais au début de cette conversation que Leda Villard di Paravia est la reine de la cuisine italienne à Paris, mais elle a reçu aussi des distinctions officielles, donc elle peut être fière à ce titre. Ah si, je dois dire, oui. Vraiment. Déjà, le président Napolitano m'a fait commendatore. Parce que donc, elle est commandeur de la République italienne. Oui, pour le travail que je fais pour faire connaître les produits italiens et la cuisine italienne en France. Et après, ils m'ont donné le premio Marietta, alors des intellectuels de l'alimentation. Merci. Ils m'ont. Comment si dice? Insignito. Je sais pas, non, vous le mettez ensemble. Et du titre de Marietta. Et Marietta était la cuisinière d'Artusi. Artusi, c'était un avocat vécu à la fin du 19e et qui a écrit les plus beaux livres, surtout les plus cultivés livres des recettes italiennes. Mais désormais, Artusi est devenu, lui était de Forlimpopoli, une ville sur l'Adriatique. Et oui, mais je crois. Excusez-moi, que j'arrive. Maintenant, je vais me concentrer un instant. Ah oui. Et après, je vais vous dire. Donc, Forlimpopoli, maintenant, il y a une association qui est née. À la suite d'Artusi, qui vaut la peine, je pense qu'il est traduit en français, mais ça vaut la peine de le lire, parce que c'est un italien extraordinaire. Les recettes, il y en a de très bonnes, d'autres un peu moins bonnes. Je disais, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, ça c'est les bêtes sans coquilles. Ah oui. Oui. Qu'on donc met là, il y a les moules et les palourdes. Et les palourdes ensemble, sans coquilles. Et ça sera, on le mettra à la dernière minute parce qu'ils ne doivent pas cuire. Alors, on parlait d'Artusi. Ben, Artusi, ça vaut la peine de le lire. Et je pense qu'il est traduit en France. Moi, je suis allée aussi à un congrès
a Santo Domingo, où je parlais d'Artusi. Et il y avait aussi des gens très intéressés à Artusi. Donc il faut lire Artusi, c'est Mais la France aussi t'a décerné une décoration importante. Oui, je suis commandeur de Cordon Bleu de France. Oui. Voilà, donc ce qui est une reconnaissance voilà. même... Je pourrais mettre, tout, comme les Russes, tout ce qu'ils ont tous les pataques. Mais dans ce cas-là, enfin, il y a eu une reconnaissance Oui, je pourrais mettre tous les pataques un peu partout, oui, ça serait... Ouais. Et voilà, je crois que c'est tout. Je ne me rappelle plus, mais je pense que c'est tout. Alors, les risottos... On peut les tourner tout le temps, et c'est un peu embêtant, mais on peut aussi les mettre comme Arrigo Cipriani m'a appris. On peut même les couvrir d'eau et ne les toucher pas. Là, qu'est-ce que tu es en train de rajouter? Ça, c'est bouillon? Du bouillon. C'est bouillon. C'est un bouillon. De viande? Non, un bouillon de légumes un peu mélangés. Ah, mais c'est un bouillon qui a été fait avec des cubes. Une partie cube, une partie... Alors, les légumes sont frais. Oui. Ils ne sont pas des très bons légumes, ils n'ont pas beaucoup de goût. Et on est dans le nord, hein, on n'est pas dans le sud. Donc, et alors, pour donner un peu de force, je mets un peu de bouillon star, parce que c'est un bouillon qui n'est pas gras du tout. C'est un bouillon italien, que maintenant on le trouve dans toutes les boutiques. Tu vois, celui-là. Che non è gras, perché il Knorr, questo è troppo gras. Tandis que, tu vois, c'est un bouillon très transparent. Voilà, e maintenant, le riz doit être. Doit cuire par... 15 minutes. 15 minutes. Oui. Et c'est un riz, ça, qui vient de la, justement de la. Ça, c'est épluché à la main. Hein? Donc, c'est. C'est quelque chose, et maintenant on le trouve ici, c'est importé ici, mais ça vient de la Pianura Padana, justement de Vercelli, qui est le lieu du riz. Donc il y a le carnaroli, les vrais carnaroli, parce que désormais on trouve tous les carnaroli, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que le carnaroli c'est un riz qui ne supporte pas les désherbants. Donc il sort très peu, c'est pas, il n'y a pas une montagne de carnaroli. Jusqu'à avant, je l'ai trouvé, mais je l'ai réservé d'un an à l'autre parce qu'on me trouvait très peu. Maintenant, tout est carnaroli, mais ce n'est pas du vrai carnaroli. Les plus cinéphiles entre ceux qui visitent, les visiteurs de notre site, se rappellent le fameux film Riz amer, Riso amaro. Que bello! Voilà, mais... donc un film de l'après-guerre. Tourné justement dans cette région autour de Vercelli, oui, dans le nord du Piémont. Oui, et c'était la terre du riz. Oui. D'ailleurs, le riz est un produit très international, enfin en Asie. Mais sont différents, sont des riz différents. Mais c'est toujours mais du riz. Mais c'est que maintenant, nous on trouve dans des industries du riz, les paquets industriels du riz italiens, on trouve du riz qui vient des États-Unis parce que la communauté européenne a fait un échange banane français contre riz américain. Mais les Américains, ils utilisent des OGM, ils utilisent des choses mauvaises. Et alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit tout carnaroli, carnaroli. Et ce n'est pas carnaroli, c'est du bon américain qui n'a rien à voir avec le carnaroli. Donc, ça vaut la peine d'acheter des riz un peu plus chers. Mais c'est le nôtre. Parce que justement, la communauté européenne, quand ils ont fait ce contrat America et banane, et la communauté européenne avait stanziato, comment si dit ça? Avait alloué. Alloué aux producteurs italiens bons, une somme pour les couvrir, parce que les autres étaient moins chers, donc ils auraient eu un problème d'argent. Mais après un an, ils l'ont enlevé. Donc, ils sont restés avec leur prix, qui n'est pas rien, parce que quand même, épluché à la main, plutôt que les autres, qui les épluchent avec des produits chimiques, ça fait la différence.
et ça coûte moins cher, beaucoup moins cher les autres. Donc il faut payer cher les riz. Ça, absolument. Là, je vois que tu n'as pas de montre. Donc, pour calculer le temps de cuisson, là, c'est un. Oui, alors, même quand j'ai. Tu sais que j'avais une école de cuisine italienne à Paris. Tout à fait. L'Invito. L'Invito. L'Invito, oui. Donc, les noms me l'avaient donné Nello Risi, qui est le, soeur, le frère de Dino Risi, et lui, un grand poète. Bien sûr. Et le logo venait de Gianni Sassi, qui était l'art directeur de La Gola, de cette magnifique publication pour laquelle j'ai eu la fortune d'écrire. Et, la chance. La chance. La fortune. Bon, la chance. La fortune, il y a même l'impôt sur la fortune. Donc c'est autre chose. Alors c'est toute une autre chose. Oui, pour nous italiens, la fortune, c'est la chance. Si, beaucoup de chance. Et donc, j'ai fait cette école. Et quand je faisais cuire les pâtes, j'ai goûté les pâtes. Ils disaient, mais vous ne regardez pas la montre. Je disais, mais non, je ne regarde pas. Il faut goûter les pâtes. Parce que les pâtes changent de cuisson, de temps de cuisson, par rapport à la hauteur sur le niveau de la mer. Donc en montagne, il met beaucoup plus de temps à cuire. Ah oui, c'est vrai. Plutôt qu'à bas. Là, à Trento, par exemple, on a, et puis il met beaucoup plus de temps. Et l'humidité de l'air. Donc oui, quand même pour amener l'eau à l'ébullition. Oui, 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 bien sûr. Plus de temps. Et donc les pâtes et tout, l'eau et tout. Donc il faut goûter. Tu ne verras jamais un Italien qui regarde la montre. Alors, tu vois que de temps en temps, je mets ça. Ça, c'est l'eau. De cuisson, l'eau, que c'est pas l'eau, c'est l'huile, plus le vin, plus l'eau qui jette les moules et les palourdes. Et ça, c'est très parfumé et salé, donc il faut faire attention à ne pas mettre du sel. Goûter avant d'ajouter du sel. Ça, c'est très important. Quand on met des. Parce que comme les fruits de mer sont déjà salés, provenant de l'eau salée de la mer, eh oui. Donc il ne faut pas ajouter du sel. Oui. Et une chose importante, c'est que les poissons, ça c'est une chose que je fais toujours, les poissons, quand tu les laves, il faut qu'ils soient poissons ou moules ou je ne sais pas quoi, il faut les laver avec l'eau salée. L'eau comme l'eau de la mer, parce que sinon l'eau douce lui enlève le goût. Et l'eau salée, c'est la proportion, c'est un litre d'eau, 35 grammes de sel. Ça, c'est la proportion de l'eau de mer. Donc, si tu rinces les poissons avec ça, tu as des poissons formidables, qui ne perdent rien du tout, qui semblent pêcher au moins. Oh, je suis en train de vous donner des conseils, non, pas mal. Non seulement des informations culturelles, mais aussi même, des renseignements. Je suis en train de faire un cours. Ton école de cuisine avait des élèves qui étaient principalement français, d'autres non, pays. Non. Français. J'avais même un élève qui venait de Suisse avec son avion privé. Et il arrivait à mon école avec la Rolls Royce et venait faire des cours. Alors, donc c'était un public qui n'était pas vraiment très raffiné. Très raffiné, ouais. Surtout des hommes, plutôt hommes. Et des collectionneurs d'art. Et après, on est devenus très amis parce que donc on faisait les cours et après on mangeait tous ensemble. Et il y avait, par exemple, André Bernheim était dans les membres de beaucoup de musées du monde entier. Et lui voyageait, il allait au musée, mais il était toujours là. J'avais
Jean-Pierre Merci Rivière, qui était un homme très chic, qui s'habillait, qui est un homme, il est vivant, qui s'habillait et qui s'habille toujours avec des grandes couturiers italiennes, très bien, avec des chemisiers, il fait les chemises en Italie, il fait tout, et il tournait les riz, il était là, très content de faire tout ça. Et il a une maison en Tunisie, et il part pour la Tunisie en portant les riz italiennes, et et tous les produits italiens pour faire... Pardon, quand je fais des choses compliquées, je m'arrête. Et comme ça, là, il faisait à ses amis tunisiens, il faisait le risotto. Et donc, j'ai eu vraiment des gens extraordinaires et on est devenus très, très amis. Après, j'allais chez eux, Diane Venet, par exemple. Diane Venet, qui est la femme de sculpteur Bernard Venet. Et là, on a été maintenant chez eux à New York. Lui est un sculpteur formidable. Et ils ont une propriété dans le sud de la France et à New York, où ils vont à Rome chez moi. On est vraiment très, très, très amis, très liés. Donc la cuisine, c'est un collant. Et le parmesan, s'il vous plaît. Et maintenant, en faisant comme ça, ça donne la crémosité au risotto. Oui, oui. Donc, c'est pas nécessaire de mettre la crème fraîche. Mais là, ce que tu as rajouté, ce sont des feuilles de... Persil. De persil. Oui, pour la couleur, tu sais, c'est pas... Mais cela se mange aussi. Bien sûr. On la mange, ça fait du bien. Ce n'est pas beaucoup, parce que... Tu sais que les persils, si tu peux même... t'empoisonner avec les persils. Tu manges une montagne de persil, si tu décidais de mourir... Ah bon? Ah si, tu manges une montagne de persil... Ça, je ne savais pas. On peut se suicider avec le persil. Oui. Pour être originaux jusqu'au bout. Oui. Voilà, moi je vous laisse. Hein? Il est pas là. Ah si, il est là. Vous mettez ça là-dedans, comme ça on va aller. Et on va mettre ça dessus. Voilà, donc vous avez assisté à la préparation d'un risotto aux fruits de mer grâce aux soins de Leda Vigliardi Paravia, qui est entre autres l'auteur d'un livre qui vient de paraître qui s'intitule « La cuisine italienne de mère en fille » édité par Albin Michel. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la fin, parce que c'est joli. Oui. Alors, les langoustines représentent aussi une décoration suggestive pour ce risotto. Encore un peu de verdure. Et voilà. Et voilà, donc tu peux même le montrer si. Si. Hein, tu peux montrer ce plat. Et donc, merci beaucoup et bon appétit. Merci.